Salut tout le monde, c'est Meg. Alors aujourd'hui on va parler du vlog. Je vais vous présenter mon vlog. Alors le vlog qu'on a fait, c'était à Disney Village. C'était la semaine dernière. On était allé avec Mia, avec Emma et Brian, mon petit frère. Mon petit frère qui est beaucoup plus grand que moi. Disney Village c'est grand, mais pas aussi grand que Disney évidemment. Mais c'est un endroit où c'est gratuit, tout le monde peut y aller. C'est vraiment, c'est génial comme endroit, c'est la magie Disney y est. Il suffit d'aller dans les boutiques pour le remarquer. J'ai acheté ces oreilles, comme vous voulez voir. Enfin, on me les a offertes, merci Emma. Alors, c'était dans... on a pris le train. Une heure de train. Après, on a attendu Mia dans le froid. Je vous dis que... y aller en décembre... avec juste une petite veste, une petite chemise, c'est un truc à pas faire. Il fait froid. Donc on était avec Brian, on l'a attendu un bon quart d'heure. Ensuite on est allé chercher Emma. On a marché, marché. Sauf que Mia avait oublié que la gare du Nord était à côté, du coup on a fait tout le grand tour. Ouais. C'était marrant, une petite balade sous la pluie. Ensuite, dès qu'on a récupéré Emma, on est allé, on a pris le métro. Ah là, panne de ticket, les tickets ne marchaient plus, il était démagnétisé. Du coup, on passait le ticket, j'étais coincée, je ne pouvais plus passer. Et je voyais Mia, Emma et Brian, coucou, qui faisaient coucou et moi avec mon ticket. Laissez-moi passer. Et donc, on est arrivé à Disney Village, là, on tombe sur le château. Un château qui est un énorme hôtel pour les, enfin je ne connais même pas le prix de l'hôtel, mais quand je serai riche j'irai. Enfin bref, il y avait des décors, c'était génial. On est arrivé aussi dans la boutique avec des tableaux faits main. Les tableaux étaient géniaux, c'était magnifique. On avait envie de tout acheter, de tout accrocher sur les murs. Même un avec Réponse, Emma et moi, Réponse c'est notre princesse préférée. D'ailleurs j'ai fait Réponse. Vous pouvez aller, je mettrai le lien en bas. Je sais pas si ça marche pour vous. Parce qu'on me dit que la presta n'est pas visible pour tous. Mais, enfin dites moi si vous pouvez la voir, sinon je la reposterai. Il y avait Réponse, Brian me filme en dessous. C'est genre, il était magnifique avec les lanternes, c'était... Réponse et Eugène qui se tenaient les mains, qui chantaient sur la barque avec les lanternes. Enfin, elle était magnifique. Et juste à côté, il y avait une grosse maquette du château de Disney. Paris, Disneyland Paris. Mm-hmm. C'était le château de Cendrillon. Non, d'Aurore. Je sais plus. Donc, on est arrivé. On se balade et tout, et puis après on voit plein de petits tableaux. Il y avait des petits tableaux avec chaque princesse dessus, dont il y avait aussi Elsa et Anna. Si vous voulez le prix, ça coûtait 15 euros. Donc quand vous irez à Disney Village, prévoyez 15 euros si vous voulez des petits tableaux. Il y avait des figurines aussi dans la boutique. Les figurines, elles étaient énormes, genre comme ça. Il y avait une figurine d'Ariel comme ça. Il y avait des petits... Par contre, il n'y avait pas de réponse. Il y avait des petites réponses. Il y avait Belle et Adam. Enfin... Je suis allée boire un Starbucks. Un chocolat chaud viennois, exact. Plus précisément. Il marquait mon nom, Maggie en dessous. C'était génial. On est resté 2 heures là-bas. Parce qu'il faisait froid dehors. On ne voulait plus bouger. Et puis, on s'est dit, bon... On regardait, on fait... Oh, il est 15 heures. Faut peut-être y aller. Donc on est sorti, on est allé voir un autre magasin. Mais c'est quand on est allé voir le magasin des peluches, c'est là que j'ai acheté Manala. Et je dis merci à Emma, qui est une super amie que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Et elle est venue fêter le nouvel an avec nous. Et c'est pour cette occasion qu'elle est venue avec nous à Disney Village. Et elle m'a aidé à payer Manala, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça a focus. Enfin bref, elle était trop mignonne. Et donc merci Emma, je te remercie. Donc voilà, après bah voilà, Disney Village, on n'est pas resté si longtemps que ça parce qu'on avait fait vite le tour, après c'était que des restaurants. Donc on est rentré, on a pris le bus, 1 heure de bus. Si vous êtes malade en bus, ne prenez jamais le bus. Ouais. Et
une heure de bus. On a fait l'inventaire de nos cadeaux. On s'est tous dit, oh, j'adore. Après, moi, j'ai dormi avec Mana là sur moi. Ah, elle est vraiment trop douce. Donc voilà, si cette petite intro vous a plu et que le vlog juste après vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos, surtout des vlogs, des clips. Un clip est à venir, un nouveau vlog est à venir également. Un vlog assez spécial car nous irons à Paris voir un film. Mais attention, nous irons voir un film qui s'appelle Ami Public numéro 1 en avant-première avec l'équipe du film. C'est un film de Édouard Pluvieux avec Kev Adams, Paul Bartel, Majid Berilla, je vais y arriver, Franck Lecoq, Janella Jam. C'est un film qui a l'air super touchant, émouvant. J'ai pas envie d'en dire plus, je préfère que vous ayez voir la bonne annonce. Allez voir le film sort le 17 février, j'allais dire 17 octobre, je ne sais pas pourquoi. Le film sort le 17 février, allez le voir. Moi j'irai le voir en avant-première, mais je ne posterai évidemment pas de vidéo du film, mais je posterai des vidéos avec l'équipe du film si j'arrive à les avoir en vidéo et en photo. Voilà les gens, c'est fini pour l'instant. Je vous laisse avec les vidéos qu'on a fait à Disney Village. J'espère que ça vous donnera envie d'aller à Disney Village autant que moi ça m'a donné envie. Donc voilà, bye. Hey, on est dans le train. Oui. Ah non, ça c'est un vieux train. Bon, on est dans le train, on va chercher Emma. Direction Paris-Est, Mia nous rejoint, après direction Gare de Nord. Voilà, une grosse journée qui nous attend. Coucou caméra. Hein? Coucou caméra. Tu as entendu coucou ouais. À caméra. Ok. Gad Elmaleh, moi je le vois. Et viens de me faire coucou. Excuse-moi. Elle est où? La voix 9, elle est là. Et la voix 9 3 quarts, où est-ce qu'elle est? Où qu'elle est la voix 9 3 quarts? Ah ouais? Vas-y, je vais mettre la gueule dedans. Walking around a mouse, what's the word?
voyage. Et voilà. Fin du voyage. On est fatigué, comme pas possible. Enfin, moi, je suis crevée. Je peux dire, mais il y a un œil qui t'observe depuis tout à l'heure. Je sais. On est fatigué, on a fait nos achats. Ton bâton. Ça fait tête qui dépasse. Bonjour, je veux participer à la vidéo. Donc voilà, là on retourne à la maison. Et une fois à la maison, cosplay. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cosplay? Là, je brille. Toi, je veux briller aussi. Tu sais que notre groupe avant s'appelait Shiny Cosplay. Oui, je le sais. Ils ont toutes roses, c'est marrant. T'as même pas besoin de blush, toi, en fait. Non. C'est pour ça que je dois pas trop boire. Regarde. J'arrête pas de tomber en plus. Attends, Brian, ça fait encore plus fait. Non, ça fait rien. Toi, ça fait bien. J'ai de gros yeux. Donc, petite parenthèse à part, ça, c'était fini. On est dans les bois, on arrive. C'est vert. Je suis Beast Boy d'un coup de tête. Salut. Hey, hola. Regarde comment on brille. Attends, tu brilles. Hop, maintenant. Donc, je suis arrivée. Tu sais quoi? Au revoir. Salut.